Si je commence à vous parler de Konami, il y en a pas mal d'entre vous qui penseront à un barbu qui se cache sous des cartons. Et puis il y a les autres, ceux qui auront lu les titres de la vidéo et qui savent donc que je veux vous parler de Castlevania et plus particulièrement de Castlevania Order of Ecclesia. Un jeu donc développé et édité par Konami évidemment et plus particulièrement par Koji Igarashi, le concepteur de tous les Castlevania en gros depuis Symphony of the Night. Un jeu sorti sur DS en 2008 au Japon, 2009 chez nous. Et c'est le troisième sur DS après Portrait of Ruin et Dawn of Sorrow. Au niveau du scénario, c'est plutôt simple. Depuis l'extinction de la famille Belmont, les humains doivent se démerder pour battre les vampires. Ils ont donc créé un ordre, l'ordre de l'Ecclesia, qui a pour but de créer un glyphe ultime, Dominus, qui permettrait de vaincre Dracula une fois pour toutes, mais également, ils ont pour but de former l'élu chanois, qui est celle qui aura l'extrême honneur de porter le glyphe. Et il se trouve que lors de la cérémonie dans laquelle Chanois devait recevoir le glyphe, Albus, un autre membre de l'ordre, légèrement jaloux de ne pas être lui-même l'élu, va voler le glyphe et se barrer. Vous vous en doutez donc, Chanois va devoir poursuivre Albus pour récupérer le glyphe. Ça en tout cas, c'est le scénario du début, car il va y avoir quelques twists qui vont rajouter un peu de piment dans ce scénario. Alors des twists qui sont légèrement prévisibles, mais qui sont quand même le bienvenu. Pour vivre ce scénario, eh bien, il vous faudra compter au moins 8 heures pour voir la mauvaise fin, mais si vous voulez combattre Dracula, misez plutôt sur 15-20 heures de jeu. A cela, vous pouvez rajouter quelques quêtes annexes, des recherches d'objets pour avoir un 100%, un New Game Plus et des niveaux de difficulté qui se débloquent au fur et à mesure. Bref, vous avez là un jeu avec une durée de vie vraiment, vraiment respectable. Mais c'est bien beau d'avoir un jeu long, s'il n'est pas bon, ça ne sert à rien. Et comme vous l'avez vu sur ces captures depuis le début de la vidéo, eh bien vous êtes face à un jeu d'action-aventure avec donc quelques côtés RPG, comme par exemple la montée de niveau. Mais le cœur du gameplay, réellement, ce sont les glyphes. Les glyphes sont des sortes d'artefacts, en fait, que vous récupérez sur les ennemis. Il y a tout d'abord deux glyphes que vous portez, donc une sur chaque main, qui vous servent d'armes ou de magie. Vous pouvez de plus les combiner pour faire des unions. Il y a pas mal de glyphes de ce type, hein, les arcs, les épées, les fleurets, le marteau, et puis tous les glyphes de magie. Et donc ça vous fait un nombre de combinaisons assez énorme, même si la plupart sont complètement foireuses. Après, vous avez aussi le glyphe spécial qui se met dans le dos et qui lui sert par exemple pour une modification de statut permanent ou qui peut servir pour acquérir de nouveaux mouvements et accéder à de nouvelles zones. Bref, sinon, à part ce système de glyphe, le système de gameplay est assez classique. On saute, on tape, on glisse. Bref, rien de bien novateur. Les combats sont vraiment sympas, ils sont assez rigoureux au niveau de la hitbox. Et ça repose surtout sur une question de timing. Vous avez par exemple une jauge d'endurance qui descend au fur et à mesure que vous enchaînez les coups. Vous pouvez enchaîner les coups à un certain rythme et ce rythme dépend des glyphes. Bref, un système assez complexe mais qui vient assez instinctivement. Et même au niveau de la réalisation, je trouve que ce jeu est plutôt réussi. Les graphismes sont plutôt fins. Le vestiaire est vraiment sympa même s'il y a pas mal de swap color notamment sur les squelettes. Mention spéciale pour la bande son de Michiru Yamane qui bosse sur les Castlevania depuis Symphony of the Night aussi et puis qui s'est occupé par exemple des Suikoden 2 et 3. Quelque chose d'assez agréable, c'est qu'on peut choisir, il n'y a pas énormément de dialogues parlés, mais pour les quelques dialogues parlés, on peut choisir entre version anglaise et version japonaise, les deux sont de qualité. Franchement, la version anglaise n'a pas à rougir et puis, vous l'avez dit, il n'y a pas énormément de dialogues. Bref, vous avez donc là un jeu très beau, très bon, plutôt long, avec un concept de glyphe qui est très sympa. Dans les petits mois, on peut citer les quêtes annexes qui sont franchement pas folichonnes, qui consistent à récupérer des objets pour la plupart, sachant que les objets sont droppés au hasard par des ennemis, ou qu'on les trouve dans des coffres qui sont aussi random, on peut passer beaucoup de temps sur une quête, alors que des fois, on peut la finir en 30 secondes à peine. Le mode online aussi est facilement oubliable, tout ce qu'on peut faire c'est échanger des objets et puis faire des petites courses à éviter. Mais franchement un jeu qui a une très bonne replay value, qui a une très bonne difficulté aussi. Bref, si vous avez une DS, que vous savez pas quoi faire, que vous cherchez un petit jeu sympa, Castlevania Order of Ecclesia, c'est ce qu'il vous faut.